publier une annonce, vous avez trois possibilités. Tout d'abord, le menu publier, publier une annonce. Ensuite, le menu personnel avec mes annonces et le bouton publier une nouvelle annonce. Et ensuite, votre gestionnaire d'équipage avec la présence de deux boutons. Publier une annonce. Vous avez le choix entre cinq types d'annonces. Je recherche un équipier. Je recherche un embarquement. Je propose de vendre ou je recherche un copropriétaire, je propose de louer mon bateau, je propose une navigation en flottille. Dans cet exemple, je recherche un équipier. Dans l'étape 2, si j'ai déjà créé une fiche bateau, je n'ai que à valider cette étape. Je choisis le type de navigation qui concerne mon annonce, voile loisir, voile régate, bateau à moteur, pêche en mer ou navigation fluviale. Je vais choisir pour cet exemple voile loisir. Ensuite, je complète mon annonce avec le style de navigation. Là, je vais choisir sortie journée, sortie week-end. Et si mon annonce a un thème bien précis, je peux le préciser afin que ce thème précis ressorte dans le moteur de recherche. Quatrième étape, quand vous pouvez choisir une navigation bien définie, par exemple le week-end du 6 et 7 novembre, ou alors rattacher votre annonce à la participation à un événement parmi les événements que nous avons listés, ou encore un programme général de navigation, par exemple je navigue du 6 novembre jusqu'au 6 novembre 2022, pour quelqu'un qui navigue toute l'année. Et vous pouvez préciser si vous naviguez en semaine et le week-end. Étape où le port de départ est pré-rempli avec le port d'attache de votre fiche bateau. Vous pouvez rajouter des escales clés de votre navigation. Si vous indiquez une date, cela signifie que un embarquement ou un débarquement d'équipier est possible. Vous pouvez indiquer votre port d'arrivée ou cocher la case port d'arrivée identique au port de départ. Concernant le partage des frais, vous avez le choix entre je cherche un équipage qui contribue aux frais. Je prends en charge tous les frais de la navigation, je cherche un marin professionnel payé ou défrayé, ou je cherche des clients ou adhérents pour les pros et les associations. Si vous optez pour un équipage qui contribue aux frais, vous avez trois options: caisse de bord, participation financière à l'entretien du bateau et coût de main à l'entretien du bateau. Pour les deux premières, il faut indiquer les montants. Dernière étape, le texte de présentation de votre annonce et indiquer, si vous le souhaitez, les coordonnées directes par lesquelles les équipiers peuvent répondre à votre annonce. Enregistrez votre annonce. L'étiquette verte en bas à gauche vous permet de vérifier que votre annonce a bien été enregistrée.